On va avoir le test de culture G, autant dire que j'ai eu deux au bac Bah moi en j'ai maths, pas eu le donc. bac donc bon. Ah, je l'ai pas eu! Bon, c'est Non, bon, j'ai pas été, j'ai j'arrêtais mangé une longueur avant. d'avance alors, ça va. Les soirées m'ont appelé, j'ai arrêté les C'est cours. vrai? Ouais. Oh! J'arrêtais en milieu d'année parce qu'il y avait trop de soirées. Bah, Désolée, dis papa donc! et maman. Je sais pas ce que ça veut Deux. dire, 2 puissance 4. Non. Je sais pas, Je sais je suis ce que 2 au je bac sais en pas, les maths. puissances 4, on va Je dire crois. poser cette question, je sais pas ce que c'est les puissances. Moi non plus, j'en sais rien, j'ai mis mettez-moi au moins 5 à SVP qu'à mon qui pleure C'est peut-être 1. au bac. 8. Ah, j'en sais rien, on connaît pas, on sait pas, hein, nous. 2 divisé par 4. Ah, franchement, je sais pas. C'est quoi ça? Je connais pas les Ça me fait penser aux puissances. puissance 4, le jeu, tu mets les trucs là. Ouais. Qui est la plus maligne? Oui, j'y suis presque. Ouais, 4. C'est qui la championne? Oh non. Puissance 4. 1, 2, 3, 4. C'est quoi? Non, les puissances, vraiment, on m'a déjà posé la question il y a. Je crois que c'était pour une interview pareille, je sais pas. Mais attends, on a fait ça quand? Au primaire, au collège ou au lycée, les puissances? Bah, je crois que c'était au collège. Mais j'étais pas là alors, moi, c'est pas possible, moi j'écoutais rien. Fallait savoir ça aussi, qu'est-ce que c'est? Dites deux fois. Ah ouais, oh, c'est compliqué, compliqué quand là, même. Je complique la tâche pour rien, genre. C'est nul, tu vas pas faire tes courses et faire ça. Père? Ah non, vas-y. Un père parce qu'il y a un 5 à la fin. Ah putain. Yes! Je suis nul en maths, mais ça je sais, c'est de la logique. C'est logique. Bah 15. Oh non, mais j'ai pas eu le temps, laisse-moi le temps de compter, j'ai fait 5, 5, j'allais compter. Laisse-moi une bonne réponse, un truc facile. Ouais, mais bon, faut laisser du temps aussi. J'en sais rien, j'ai pas envie de compter, j'ai la flemme, vas-y. C'est gentil. C'est vrai? Flemme. Oh, franchement, je suis choquée de moi parce que. C'est un pas... truc à tous les mêmes côtés. Non, ça c'est un triangle isocèle. Non, c'est qu'il y a un carré, un angle droit. Un triangle a les trois côtés du même, de la même côte. La même longueur. Dimension. Ouais. Ouais, de la même longueur, ouais. Oh, yeah. Croître. Croître, c'est le bruit d'un animal. Non, c'est... Quoi? 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 Non, ça franchement, je sais pas. Croître? Je pense que c'est croire, mais. Mais non, couiller, non? Croître. C'est pas un animal qui croître un peu. Croître. Ah, oh, je sais pas, moi, c'est quoi ça? Croître? Mais qu'est-ce que c'est que ce mot ça? C'est d'être d'ancien français, ça, c'est sûr. Mais les gens qui habitent en Croatie, ils ne voient pas sinon, hein. Croître. C'est quoi ça? Non, croître, franchement, ça doit être l'ancien français et je connais pas du tout ce mot. Ah ouais, ça doit être de l'ancien. Bah, ah, c'est vrai que si je l'aurais lu dans une phrase, j'aurais peut-être compris, mais là. Ouais, ouais. C'est logique en fait quand on y pense. Un ostréiculteur! Déjà, c'est un truc comme agriculteur et tout, ce que c'est. Et je pense, c'est ceux qui font. Je pense le blé, non? Attends, je sais même plus qu'est-ce que c'est quoi déjà? Ostréoculteur. Quoi? Là, dans la forêt, ça, dans les campagnes ou quoi? Enfin, c'est là-bas, hein. Ouais. Qui gère les champs, qui les éoliennes. Mais non, non. Ça, c'est un agriculteur. What? What the fuck? Vous êtes dans le même genre, attends, hein. Franchement. Il faut chercher. Culteur, c'est bon, mais cherche dans les. Ostréo. Ostre. C'est pas du latin. Ostréi. Ostéopathe, donc c'est pour les os, donc je pense que c'est quelqu'un. Culteur, c'est forcément quelqu'un qui travaille dans ce genre, comme t'as dit, dans bah les ouais, champs. Dans la forêt, dans les genre champs. Genre apiculteur, c'est des abeilles, api. Culteur, ouais. Happy, c'est abeille, genre. Ostréo, ostréi. Franchement. Ostréi. C'était un éleveur d'huîtres, fallait savoir. Je déteste les huîtres, donc. Ah non, pas des huîtres, je les digère pas. Oh, bah oui, j'en ai mangé il y a 15 jours, j'ai eu mal au ventre pendant une semaine. Bah bon? Bah oui. T'as dû tomber sur des pas bien fraîches. T'aurais dû les sentir avant de les ouvrir. Les ouvrir. Autant vous dire. En fait, c'est pas du tout dans les champs, quoi. Choqué. Aberré. Je suis aberré. Enfin, c'est aberrant, genre. Molière. Ha. Ouais, j'adore les fourberies de Scapin. Je connais pas cette fable, ce livre. Tu connais pas Scapin? Non.
Bon, bah moi j'ai fait du théâtre, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça, elle a fait une école de théâtre, sans moi qu'elle connaît. C'est son école, il y a quoi ça. J'avais dit les Fables de la Fontaine de Victor Hugo, donc attends. You serious? Jean de la Fontaine, non, mais je l'ai pas respecté le gros. Hein. C'est quoi ça? Ah putain, c'est... Oh, mais oui, Ornicard. Mais où est donc Ornicard? Ornicard, c'est ça. C'est ça, mais où est donc Ornicard? Mais du coup... Bah c'est mais, ou, ah, et, mais... donc, Ornicard. Ok, ouais. Le 14 juillet. Oh, j'ai lâché un petit en plus, je dis pas. Ils ont pris d'assaut la Bastille, ils ont libéré les prisonniers, ils ont découpé la tête du roi. Ouais, je sais pas qu'il y avait tout ça, mais 14 juillet. C'est d'artifice, ouais. Quoi. Bah, la Bastille, il y avait la prison. La prise de la Bastille. Ne sais pas. Donc quand j'entends ce genre de déclaration, je suis bien évidemment choqué et même blessé. 1800 quelque chose, 700. Attends, c'était bien avant, ouais. 1785. Berlin, en Allemagne. À Berlin. Et ouais, mais j'allais dire Astérix Obélix. C'est pas des vrais personnages. Bien, bien. Remarquable. Bravo, Obélix. Tu te surpasses en ce moment. Alors, franchement, je connais pas de Gaulois célèbres, j'en connais aucun. Je sais juste qu'ils avaient une garde-robe plutôt assez confectionnée, mais... Franchement, les Gaulois, je pourrais pas dire... Je suis sûre que ça aurait été mon ex à cette époque, lui, tu vois. Un peu décalé. Ouais. Steve Jacob, là. Mais tu vois, t'as... Alors là... Non, quoi, Steve Jobs. Ah bah je savais pas, tu vois, tu m'as fait... Steve, il m'a rien dit, juste... non, qu'est-ce que tu racontes, genre? Comment il s'appelle? Steve Jobs, en fait j'ai confondu avec Marc Jacob et j'ai fait un mélange des deux. Ah, c'est toi qui marque le point, là. Steve Jobs. Charles de Gaulle. François Mitterrand. Non, 45. Putain, qui c'est qui était au pouvoir en 39-45? Attends, Giscard d'Estaing. Au revoir. Mais non. L'appel du 18 juillet, le 18 juin. Non, je veux pas que je me dise. Jacques Chirac. Non mais non, Jacques Chirac. Qu'est-ce que j'ai compris? Jacques Chirac en 45. Pétain, la balance. Pétain. C'est une balance en plus, lui. Je crois qu'il y a l'école de la Mais oui, il fallait passer à Tintin. Quoi? Mais Tintin aussi, c'est une balance. Que pensez-vous de cette histoire? Je ne sais pas. Fallait penser à Tintin. Ah, bah ouais, non, Pétain, parce que je sais pas, je savais pas. Putain, Pétain. Putain. En France. L'Everest. L'Everest. En Suisse. En Irlande. En Russie. Non, l'Everest, c'est en Europe, ça, c'est en Europe, c'est sûr. L'Everest. Au Japon. À Hong Kong. Mais elle est où, c'est où, c'est le reste? On sait pas, on sait même pas où ça se situe, donc franchement, on sait que c'est grand, parce que tout le monde parle de l'Everest. Vu qu'on sait pas où c'est, on va savoir hauteur. Je sais pas, ouais. Quoi? 3000 d'altitude, 3000 d'altitude. 6000 mètres d'altitude. Ok. Oh, 8848. J'étais pas loin, j'ai dit 7000. Vancouver. Non. Ottawa. Ottawa. Ouais. Putain, je connais grave les capitales. Mais alors le Canada. Non, c'est pas en Montréal. En plus, je joue tout le temps aux capitales. Tout le temps, je joue capitale avec ouais, les moi aussi, j'aime bien. Je les connais. Ah ouais, capitale de l'Irak. Mais frère, je me sors des pays. Et du Pérou. Je sais pas.
Ça, je la connaissais, je m'en rappelle plus. Lima, c'est ça. Normalement, je connais la capitale, mais là, je sais pas. Capitale de l'Irlande ? Dublin ? Ouais. 66 millions et quelques. Bon, bah, tu gagnes encore le point. Décidément, je vais perdre, hein. Et la pollution ne fait que s'accroître. No, God ! No, God, please, no ! No ! No ! No ! Mais oui ! Ah, bah oui ! Ça croît ! Ça croît ! Venez, croît ! Alors, la France, le Luxembourg... Non, Luxembourg, c'est tout à droite, c'est à côté de l'Allemagne. Mais pourtant, quand j'avais été au Luxembourg, on m'avait dit qu'en 2 heures, on était en Allemagne. Les Pays-Bas ? France, Pays-Bas, Russie, Suisse. Je crois que la Serbie aussi, elle colle, non ? Attends, réfléchis à la carte. La Roumanie ? Réfléchis à la carte. Là, il y a l'Allemagne. Moi, Luxembourg, il était là. Luxembourg, il est là, la France. La France, elle est là, Luxembourg, il est là. Bah ouais, là, côté Strasbourg. Là, il y a la Belgique. Mais c'est pas là. Ah, bah la Belgique. Mais la Suisse, c'est impossible. La Suisse, c'est tout en bas à droite. Comment ça pourrait ? Mais la France, elle est comme ça. La France, mais elle est comme ça. Mais la Suisse, c'est tout en bas à droite. L'Allemagne, c'est en haut. Mais non, c'est là, la Suisse, à côté. Ouais, parce que quand j'ai fait une escale en Suisse, ils parlent allemand là-bas aussi. Attends, l'Allemagne c'est pas en haut. Mais non, l'Allemagne c'est entre. Mais je me suis inventé une fausse carte dans ma tête. République tchèque et la Pologne. La Pologne. Les Polonais. Ouais, t'as répondu plus devant que moi.